un peu les yeux de l'amour, c'est vrai. Non, mais vous avez raison. Nos yeux sont toujours plus beaux que les autres. Elle est très jolie. Elle est complètement... Vraiment, à défaut de... j'ai flashé sur elle, je l'ai trouvé très belle. C'est les rayons du soleil. Voilà, ça doit être ça. J'ai pas beaucoup de batterie, si vous voulez bien. Ah, pardon. Bon. Donc bon, vous la polichez bien. Hein. Montez derrière les leaders, bon numéro, on en profite, en bonne place. Il y a peut-être un ou deux chevaux qui peuvent aller devant, mais pas de dingue, vraiment. Ouais, il n'y a pas de dingue. Donc tu vois, tu montes là, puis c'est réclamé. Je préfère quand même toujours bien, pour mieux être bien placé, que être malheureux, venir être bloqué, pas finir trop tard. Surtout un peu de partant. Surtout avec peu de partant, on est 8-9. Donc voilà, si tu la montes derrière les leaders, voilà. Tout de suite. Non, mais tu montes là. Tu fais pour le mieux, tout est bon à prendre. La première place. Très bon parcours derrière les leaders. Et puis quand je lui ai demandé d'accélérer, la jument a vraiment bien fait. En étant courageuse, parce qu'on a quand même pris l'avantage assez tôt, même si j'ai essayé de patienter un peu. Elle fait 400 mètres toute seule devant, donc elle a quand même été très courageuse. Sympa, hein? Ouais, elle a vraiment bien accéléré. Et elle a bien résisté à la seconde qui nous a mis une bonne attaque. Et on aurait pu se faire battre et elle était courageuse pour garder le meilleur. Elle progresse un petit peu? Ouais, elle prend de la force et là c'est quand même une bonne valeur. Il y a quelques pouliches qui avaient un plus haut rating que la nôtre. Donc elle confirme que la jument est en forme et elle doit gagner son handicap Si on n'est pas trop... Si nous pénalise pas. Voilà, merci. En tout cas, bravo.